J'ai l'impression que mes yeux vont rester collés si je les ferme. Comment ça, Monsieur K ne parle pas pour ce démarrage de stream? Ouais, c'est ça. C'est bien aussi, hein? Non? Ouais, je sais pas. Ok. Les piliers de gel ne devraient pas être loin. Le souci étant que moi, quand je vois Horizon Zero Dawn joué par quelqu'un, j'ai envie de jouer. J'ai ce souci-là. C'est un peu pareil pour les chemins, après. Alors, nouvelle partie. Où on va? Je sais pas. Si, il faut que je défie le gros babu chef de tribu. Pour lui signifier qui c'est le boss, quoi. Je sais. Des biques. J'ai pas envie de biques. Il me manque un petit sanglier éventuellement, les gars. Oui, j'ai avancé en craft. Mais alors, j'ai une super mauvaise nouvelle. Mes limites de munitions sont descendues à 20. Alors, je pouvais en avoir 80 avant. C'était la fête. Bah là, c'est des jeux pour pleurer, quoi. Et ce lance-flamme, il est pas terrible. Je vous le dis, en vérité. On va aller voir ce qui se trame à 76 mètres. Hein. Les piliers de gel. Aratak et Ourea sont dans le coin. Et oui. Ils ne sont point loin, un petit scarabée. Vois-tu? Yo, les hippies, ça biche? Faut que j'arrête ces expressions toutes faites. Hein. Et on change pas une équipe qui gagne pas. Oh, regardez-moi cette belle descente. Oui, toujours l'extase sur les décors. La magie du talent des infographistes et plus le procédural derrière, c'est une des rares fois où j'ai pas l'impression que ça se répète dans le jeu. Ouais, c'est assez fabuleux comme sensation. À qui je parle, Ourea ou l'autre? Ouais, je me tâte. Un petit coup par derrière, la coup du lapin. Tsa! Oui, c'est le syndrome Roberto Bellini. Étrangère! J'ai déjà relevé ce genre de défi. Je ne crains rien. C'est ça, mais t'es mieux quand même. C'est ridicule. Tu n'es pas Banu. Je suis bien mieux que ça, petit bonhomme. Tu ne comprends pas mes responsabilités. Mais si. Alors, on va faire le défi. Ça va mal se passer. Tu vas être blessé et je vais te sauver, d'accord? Il n'y a pas besoin d'avoir fait le truc pour le savoir. Rapproche le micro. Oui, c'est une bonne option. Laissera monter au flux du tonnerre. Tu n'as pas vu ce qu'il y avait là-bas, étrangère. Je ne risquerai pas encore ma femme. Alors inutile d'attendre. D'accord. Je vais enterrer ton défi insolent dans le sol gelé. Ça suffit. Comment faire? Chasser. Lutter. C'est toute la vie des Banouk. Et c'est ce que tu devras affronter. Tu escaladeras les piliers de gel par l'est, Aratak par l'ouest. Chaque piste croise des groupes de machines redoutables. Des chasseurs du Vérac seront placés sur le chemin. Ils t'appelleront, te montreront les machines à abattre. Ta traque te mènera vers le centre par la falaise et tu descendras dans la vallée pour la dernière cible. À chaque fois, une fois ta proie tombée, tu devras lancer une balise comme celle-ci, afin que le clan suive ta progression. Tuer des machines, lâcher des ballons. Compris. Alors, le premier à lâcher le troisième ballon a gagné? Eh bien, oui. Mais en tant qu'aspirante, ta voie sera plus difficile. Si une seule de tes balises part après celle d'Aratak, il gagnera. Tu as eu ta chance, étrangère. Toi aussi. L'épreuve commence à mon signal. Koh-Lanta. Maintenant! Allez.
Je dois gravir cette montagne. On dirait qu'il y a plusieurs trajets possibles. Ils sont marqués par ces peintures sur les roches. Oui, il connaît pas la technique du roulis-boulet, lui. Bah, j'espère. Ça me rend pas beaucoup. On monte. C'est un vieux, je vais le défoncer sur ce passage. Je crois que c'est par là. Bah non, je suis sûr. Alors, on s'active. Je suis presque en haut. Bon, écoute. Ton objectif est d'éliminer le troupeau en bas. Toutes les machines. Éliminer un troupeau ? Aucun problème. Je me suis cassé la gueule. C'est mal barré. Merde, comment je remonte? Reset. Je me suis fait ken. Si. Non, faut que je remonte, je me suis... Il y a no way tout remonter. Oh, no way tout remonter, les gars. C'était pas prévu qu'il y ait un niveau qui se casse la gueule ici. Je vais me tuer, hein, comme ça je recommencerai, il y a tout ça à faire. Parce que là c'est foutu quoi. Ouais, je me barre, vous êtes tous des débiles. Ah, je vous déteste. Comment je remonte là-haut? Non, je vais faire un saut dans un vide, hein, je crois, parce qu'il n'y a plus que ça à faire. Sérieusement. D'inventer des raccourcis, mais c'est vraiment désespérant. J'ai les pieds à foutre, j'ai tout le monde au cul. Elle saute en vide. Oui, ça s'est très très mal engagé dès le démarrage. Donc autant la refaire. Oui, blablabla, blibli, blablabla, blablabla, on y va. Non, on va faire ça, c'est mieux.
Il est où? Je sais pas si c'est judicieux de ramasser les trucs, mais bon. Allez, grimpe ici! Hop là. Qu'est-ce que t'as pour étrangère? Monte ici et lance ton ballon! Grimpe sur le rebord et lance ton ballon! Il est où? Je le vois pas, les gars. Oh là, non, vous faites pas ça, les gars. Vertige quoi? Oui, vertige. Ah, j'ai pas le temps de penser, vous me direz. L'attaque, c'est ce qu'il fait. Pas de temps à perdre. Prends le point de rappel vers le défi suivant. Ne traîne pas ici, étrangère. Passe au défi. C'est mon stuff, bonhomme. Deux cracheurs droit devant, aspirante. Tue-les tous les deux. Les autres machines ne comptent pas. Deux cracheurs qui arrivent. Des cracheurs, ok. Les autres n'ont pas, il va bien falloir s'en débarrasser de ça, monsieur. On va faire ça bien. Vous n'avez pas prévu comme ça, mais c'est pas grave. On va improviser un truc. J'ai la moitié des bestioles de la map aux fesses. J'ai voulu m'y prendre trop vite, je crois.
Ah, il me déloge jusque là, les gars. J'ai cru que j'étais en mode piège. J'ai tout déchauffé. Justin Tail, toi t'es à moi maintenant. J'y vois rien mais t'es à moi. Vas-y, fais le ménage. Gentil Kiki, viens en bas. Allez, on va s'occuper de ça comme il faut maintenant. On va tout faire péter.
Oh là là. Être très juste. Non. Bon, je monte. Putain. Niqué par la montée. Viens par ici et lance ton plan. Bon, l'idée, ça serait de pirater le minou pour qu'il me serve de... Où il est, ce ballon? Je peux même plus refabriquer ça. Sérieux, les gars, on en est là. Où il est, ce ballon? Par ici, et lance ton ballon. Ah, il m'aurait pas fini. Où il est, ce ballon? Je vais regarder comment on monte là déjà. J'ai de l'avance, mais pas beaucoup. Je dois me dépêcher. Va prendre la tyrolienne et descends jusqu'à la vallée. La tempête se lève. On n'y voit rien. Du coup, il me l'a compté. C'est sympa. Je me rapproche. Je suis presque. C'est bon. Plus qu'un seul défi. Personne.
Ah, j'ai plus rien de thème. Voilà.
Putain, mais merde. Des griffes de gel du fût du tonnerre. Leur attaque a interrompu l'épreuve. Naturellement, il faudra la refaire. Ça ne compte pas. Vous avez vu ce qu'elle a fait? Elle a vaincu les machines. Aucun chasseur ne fera plus l'ascension au puits du tonnerre. La voie est fermée à tous, sauf aux chefs de clan. Et à moi. Je n'en ai aucun droit, mais je te demande une faveur. Vous accompagnez toi et ma sœur. C'est envisageable. Si seulement tu fais ce que je dis. Non. Seulement si tu fais ce que je te dis. Le fût du tonnerre au camp. Il y a un camp à son pied, l'Entaille, c'est son nom. Rejoins-nous là-bas quand tu voudras. Chef Aloy. J'ai l'impression que mes yeux vont rester collés si j'ai une nouvelle tenue. Et la même arme qu'Aratak. Le chef de clan a besoin de l'équipement adéquat. Maintenant, à l'Entaille. Plus rien ne m'empêche d'aller au fût du tonnerre. On va se faire une petite pause par là, parce que c'est pas mal long, non ? Ryglas Bunnik. Je vais juste fermer la fenêtre, parce qu'il y a des courants d'air, là.
Alors, une nouvelle norme, le rail. Bon, regardez ce que c'est. Alors, qu'est-ce que vous ? Ce sera moins pire. Hein. De gel. On va y mettre ça. Hein. Et ça devrait être bon. Ils étaient coriaces, hein. À 3, ils nous ont mis un bordel incroyable. Plus, c'est des armes qu'on avait, dont j'ai pas super l'habitude, ça a été un peu tendu quand même. Je vais mettre ça de côté. Et puis avoir un stock de munitions aussi bas, c'est loin d'être le bonheur. Oh, quel baston. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les environs à ramasser? Une caisse, et puis voilà. Ok. Bon d'accord, je l'ai arrivé. Ah. D'hab, je vais faire la petite coupure stream par là, je pense. Cette couleur doit tâcher. Et puis on se retrouve dès que c'est intéressant, qu'il y a un peu d'ambiance. Oui, fatigué, c'est l'heure d'un chocolat chaud.